pas de meilleur cuisinier. C'est tous des gros cons. Moi, mais malheureusement, j'ai pas le pouvoir. Donc, première question, elle est finie. La deuxième question. Ce sera le meilleur de carré. Je pense que je voterai pour Macron, parce qu'il est au centre et que les autres me paraissent un petit peu bizarres et pas très fiables. La meilleure présidente de la France, ça sera Marine Le Pen. Moi, ce serait Marine Le Pen. Alors pourquoi une immigration contrôlée, donc moins d'immigration, un pouvoir d'achat un petit peu plus fort, et puis une femme présidente pour changer. J'aime bien l'Allemagne. C'est beau l'Allemagne. Ça a l'air, en même temps, je suis jamais allée. Moi, j'y suis allée et j'aime trop kiffer. Les gens sont gentils. Et politiquement? Parce qu'à la base, c'est un peu ça. Le... Merkel C'est une grosse conne. C'est une grosse connasse. Ah bon? Pourquoi? Elle a une politique de droite à mort. Elle. C'est une Allemagne forte. C'est Madame Merkel, c'est quelqu'un de très fort, qui sait gérer au niveau économie. De l'Allemagne, j'en pense très peu de choses, parce que généralement, j'évite de parler des pays où je n'ai jamais mis les pieds. Bah, personnellement, moi, le programme de Marine, c'est de sortir de l'Europe. Donc, moi, je préférais sortir de l'Europe, hein, et de revenir au franc. Eh bien, de mettre à la porte les... Madame Le Pen d'abord, et puis quelques autres, des gens qui jouent contre l'Europe. Ça sert à avoir 27 et 27 canards en boîte. Oui. Moi, je crois plus à l'Europe. Au point de vue personnel, je crois plus à l'Europe. D'ailleurs, là, je me prépare de partir d'ici. Il devrait remettre les frontières. Mais la frontière entre la France et l'Allemagne... Entre toute l'Europe, pour histoire de filtrer mieux, tout simplement. Filtrer quoi? Filtrer le terrorisme, filtrer les drogues, filtrer tout, les trafics, pour que l'Europe soit bien. Parce que si les États restent à droite, à gauche, on va à la catastrophe, on ne peut pas. Il faut rester unis pour pouvoir être unis contre les États-Unis, unis contre la Russie et tout ça. Autrement, ce n'est pas possible. Ben, moi, j'ai fait 68 ans dans une ville qui s'appelle Landerneau. Je vais faire 68 ans dans une ville qui s'appelle Carré. Et puis après, ben là, je choisirai entre les deux. Non, les rêves, vous savez, je n'en ai plus à l'heure actuelle. Les rêves, vous savez, sont finis maintenant. Non. Que espérez-vous pour votre avenir personnel? Plus de pouvoir d'achat, monsieur. Plus de pouvoir d'achat. Pitié. Plus de pouvoir d'achat. Mon Dieu. Nous, on est dégueulasses, Fiole. Du sexe. Nous, on s'en fout. Du sexe, de l'alcool. De l'alcool. Voilà, c'est tout ce qui nous va. Ouais. On est dégueulasses.